les années 80, où j'étais dans... Curieusement, quand je suis arrivé à Paris, je travaillais dans une cave, c'était un peu ça. Et je faisais une peinture, voire beaucoup de références à la préhistoire, parce que, avec du trait, avec de la matière plutôt minérale, etc. Il y a des influences qu'on ne voit pas, mais finalement, ça va. J'ai un atelier en Camargue et un autre atelier aux Philippines. Et que c'est entre ces deux choses, c'est l'esprit plutôt que campagne. Je ne suis pas en ville. Ce qui m'entoure, le bruit dans les branches, dans les feuilles, la végétation, les oiseaux, les papillons. J'essaie de donner toujours une résonance entre chaque fois. C'est comme elles doivent, comment dire, c'est une complicité entre chaque fois. Elles se parlent entre elles, en fait. Elles sont faites pour se parler entre elles. Et en se parlant entre elles, moi, elles m'apportent d'aller vers la suivante. Mon travail, si on peut dire, c'est de rendre de la matière, de la texture, et puis aussi de la joie, du bonheur. Moi, je suis plutôt, c'est-à-dire, entre guillemets, je me sentirais descendant de la période fauviste, parce que par la couleur, la représentation aussi, c'est de loin, de bleu. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je suis vraiment près de la mer. J'aime le bleu de la mer, confond avec le bleu du ciel à l'horizon, cette vue, comment dire, ligne droite, sans obstacle, etc. Moi, ça me projette. Puis après, voilà, c'est ce petit point qui avance sur la mer, qui commence à raconter une histoire. Et après, les autres couleurs, enfin après, j'utilise les couleurs, on va dire, primaires. J'ai fait toute une étude sur, par exemple, le temps de yoga, et puis, donc, quand j'ai fait cette étude, on pouvait reconnaître facilement qu'il y avait une histoire avec les danseuses de yoga. Et pour arriver à une toile comme ça, où on retrouve, la robe de danse a disparu, c'est devenu une sorte de grande robe, plutôt voir ici. 18e siècle, et je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment là, ça, et cette toile me fait penser à la Louisiane, au Mississippi, plutôt vers le 19e siècle, avec ces femmes avec des longues robes. Alors, la couleur rouge n'est pas pour y mettre du sang, enfin, je pense que c'est plus pour mettre de l'intensité et de la vivacité. J'aime beaucoup la danse, qu'elle soit classique ou contemporaine, parce que ce sont des gestuels évidemment artistiques, mais ce sont des gestuels de dépassement, en fait, dépassement, parce que ce sont des choses qui s'envolent, se vibrent, ça fait des choses, c'est de l'inspiration, de liberté aussi. Après, bon, je ne sais pas ce que je ferai l'année prochaine. Il y a un moment, on va enlever des choses. Je suis sur des sujets, je l'explore. Finalement, on est à la fin. Quand on pense avoir fait du tour, on passe.
l'idée, tout le monde en a des idées, mais après, il faut juste trouver la solution. Enfin, c'est-à-dire, cette loi, c'est comme si on met une matière, on en remet une autre. Dessus, on en remet une troisième, c'est comme des couches géologiques. Et puis, à un moment donné, il faut aller déchirer, gratter, recouper, pour retrouver la matière qu'on a dessous, ou seulement un morceau de cette matière, qui permet de donner ce rôle. Moi, je pense à une continuité, c'est-à-dire qu'il y a une histoire de l'art qui existe, qui remonte à ces hommes de caverne et qui perdure heureusement. Après, il y a des influences. Et on arrive à l'art contemporain. Qu'est-ce que c'est que l'art contemporain? C'est quand même une continuité de notre histoire de l'art. Donc,